vous êtes en ce moment en tournée aujourd'hui pour votre premier album. Oui, donc, ici même à Trois-Rivières. Pouvez-vous me parler de votre nouvel album que vous venez de sortir justement? Écoute, c'est un album, à mon image, je pense, assez dynamique, énergique, rafraîchissant, mais quand même qui... Moi, j'ai un gros faible pour les ballades, chanter des ballades, et j'étais allé chercher vraiment les ballades que je voulais avec cet album-là, avec une belle profondeur, je crois, une belle sensibilité que je voulais exprimer. Et puis, voilà, c'est un album, je crois, rafraîchissant. Et cette chanson-là, je l'ai pas vraiment écrite en pensant au public au départ, on a pensé à quelqu'un... Au simple fait que tout le monde dans la vie, à un moment donné, passe par des moments plus difficiles et ils ont besoin de gens autour d'eux pour les aider à se relever. Mais c'est vrai que quand on lit le texte, après, tu pars après, des gens m'ont réalisé que cette chanson-là, ça pouvait aussi bien décrire un petit peu mon expérience, mon passage, et puis ma relation avec le public, comme quoi, ben, je suis sorti de l'ombre maintenant, et puis les gens, je me sens mieux auprès des gens. Mais c'est le fun à quel point on peut voir qu'une chanson peut être interprétée différemment par différentes personnes. Puis on peut te voir notamment aussi à Vrac TV pour Mixmania 4. On vous a vu à Star Academy aussi pour l'édition 2012, puis aussi à Air Spray pour la comédie musicale. Donc, mais par rapport à Mixmania 4, en fait, comment vous voyez ça, votre rapport avec les jeunes? Comment vous aimez ça travailler avec eux? J'adore ça. Moi, j'ai un petit peu le genre de rôle du mentor ou du grand frère. J'adore ça, moi, les accompagner dans leur nouvelle aventure parce qu'ils découvrent un milieu tout à fait nouveau et tout à fait grand et spécial. Hein, tu sais, puis moi, j'ai eu la chance de passer un petit peu par le même genre d'expérience. Puis j'essaie de leur redonner, de les épauler à travers leur aventure. Puis moi, j'ai autant de plaisir que les autres à faire ça. Mais... Finalement, ce soir, en fait, est-ce que vous avez quelque chose de prévu? Ça va être quoi exactement? Bien, ce soir, je m'en vais rencontrer les gens au Costco ici même à Trois-Rivières. Fait qu'on invite les gens à venir me voir. Parfait. Puis le passage pour Trois-Rivières pendant longtemps? Bien, depuis ce matin et puis demain, on doit quitter pour continuer cette belle tournée de promotion. Parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. De l'ombre.